Bonjour, c'est Grifox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Forge Magie dans laquelle je vais vous présenter 3 de mes derniers FM. Je vais essayer de vous sortir régulièrement ce genre de vidéos. Alors, on commence avec une amulette séculaire. Je tiens à préciser que pendant plus d'un an et demi, j'ai essayé d'en passer une 4%. Ça m'a rendu complètement fou. J'ai calculé, je suis à plus de 100 millions de runes sur cet item. Et là, enfin, j'ai réussi à passer quelque chose. Bon, le jeu ne me convient pas vraiment. Mais vous allez voir ça tout de suite, ça va être relativement correct. Donc là, j'ai fait tomber le PA avec une pavie. Donc je remonte les dommages à 12, ensuite les récris qu'on va remettre au max, bien sûr. Et là, grosse hésitation, parce que j'hésite entre remonter l'agilité à 25, ce que j'aurais préféré, mais que je ne fais pas finalement, car il me restait 90 depuis pile, ce qui me permettait de tenter 15 runes repair. Et vous allez vite voir que j'ai bien fait de le faire, puisque j'en passe une à la toute dernière. Hop, ce qui nous fait un over 4% feu. Et là, je prends un petit screen qui ne sert complètement à rien, on va dire c'est pour se donner de l'espoir. Et le PA que je stresse complètement à l'idée de passer, parce que j'en peux vraiment plus de cet item. Et ça passe. C'est toujours ça de prix, ça fait plaisir. Ensuite, item suivant, qu'est-ce qu'on va se faire ? Des pathogastriques. Bon, alors là, le PM vient de tomber avec des runes tacles. Je fais un G mono-élément pour un perso full intel. Donc, bon, j'ai mis cet item parce que j'ai envie de sortir une vidéo sur la FM, mais clairement, ça c'est très très machin. Il manque la chance et les dommages hauts, donc c'est très simple à FM. Sur ce genre de choses, je prends normalement que du 4% minimum ou 3% plus invoque ou PO. Mais bon, voilà, ça fait un peu de matière. Alors là, je suis obligé de remonter la vitalité avec une pavie, sinon j'aurais été à 339. Et je prends en général 345 vita mini sur mes items. Donc voilà, on a remonté de la vitalité avec un petit over forcément. Là, j'ai failli oublier de redescendre la vitalité, ce qui aurait été dramatique si j'avais tenté la rune dommage. Heureusement, je le vois et je remets une rune agilité. Ensuite, on remet les dommages. Et ensuite, on va partir sur un petit exo res neutre, il me semble. Hop. Bon, on n'a que cette rune. Il y en a combien qui passent? Les 3 premières. Avec le petit PM, c'est toujours ça de prix. Et je retenterai un PO ou une invoque en différé là-dessus, mais là j'avais plus beaucoup de temps, donc je me suis arrêté là. Pour la fin de la vidéo, on va se faire un petit brisage de PM sur une Dorabis. Alors c'est un ami en fait qui avait passé un PM sur cette coiffe avec un G un petit peu moyen. Et il m'a proposé très gentiment qu'on le fasse en fait en filmant pour que je puisse le mettre en vidéo. Donc pour ça il m'a filé sa coiffe et il m'invite ensuite dans son atelier pour que je puisse record. Et c'est lui qui gère le FM, donc voilà. Je vais vous laisser regarder ça. A tout de suite. Fais le brisage et puis on est parti. Je te laisse faire à ta sauce hein. Je vais commenter en différé ? Ah non, je commente en direct. Ah ok. Stresse pas. C'est un gros PLS. Moi je suis en mode spectateur popcorn, débrouille-toi. Je te laisse gérer ton puits, tu fais ce que tu veux avec ton bazar. Oh. Moi la dernière fois que j'ai brisé un PA sur une Dorabis, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Je me suis retrouvé avec un vieux G 1%, mec. J'avais déjà tenté sur bêta, ce qui me fait stresser, c'est que j'en ai eu 3. J'ai brisé 3 PA sur une Dorabis, mec. Genre, j'ai jamais eu un super mon G. Ah bah oui, mais faut déjà partir d'un bon G. Et là, ton G, il est déjà tellement merdique que... Ouais, il est... En vrai, tu vas pas en faire grand-chose. Hein. Ouais, je pense aussi, mais bon, faut essayer. Genre, à un moment, sur bêta, gros, j'ai... Ah mais mec, attends, mais brise ton PM, tu vas pas faire à ton YouTube pendant 3 ans, là, tu me raconteras ça après. Allez, go. Ok, bon, allez, on va commencer par le tacle. Oh. Faut remonter. Ce serait bien que t'arrives à le remonter un peu avant que le PM y tombe, parce que... Attends, t'es sérieux, mec, t'as fait fusionner tout, là, ou... Non, c'est moi qui ai augmenté. Ah ouais, ok, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas l'habitude de faire avec le son, c'est pour ça. Alors, tac, ça... Ouah, la sagesse, c'est la mort, ça. Ça me rappelle... Ah, allez, le PM qui tombe. Voilà, la sagesse au max. Go Vita, je dirais. Tu passes la Vita à 417, et comme ça, tu rebaisses la Vita avec la vie. Ramasse ton puits. Brisage PM, ça tourne mal. Mais mec, qu'est-ce que t'as fait? T'as enlevé trop de vita, t'es con ou quoi? Ouais, c'est pas grave. Fallait pas y aller. Oh bah d'accord, tu vas en mode balestac quoi. Bon,
Fallait pas y aller, fallait, une fois que t'étais à 400 en 2, il fallait pas remettre une pas. Oui, oui, non, mais bon. Ah. Y'a plus de puits. Bon bah, on va en rester là, je crois. Merci d'avoir contribué à la vidéo. Bon. Allez, t'es parti pour repasser un PA dessus. Hein. Putain, en plus, ça m'appelle. C'est relou. Allez, moi je me barre. Moi, du coup, je vais garder la Dorabis, hein, je pense. Concrètement. Ouais, donne-moi ça. Hein. Allez, bon courage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.